je vous parle de freeride, bike park, je sens que je vais intéresser les amateurs de VTT et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui justement on parle des nouvelles pratiques du vélo tout-terrain, direction Saint-Paul-en-Jarret où une association propose de découvrir ces nouvelles disciplines. Qu'on ressent quand on est au guidon? Beaucoup de plaisir, de l'adrénaline, sensation de glisse, beaucoup de glisse. Avec le Pila comme exceptionnel terrain de jeu et une discipline, le vélo tout-terrain en pleine évolution, le club Omnibike du Pila s'impose en France comme une référence dans les nouvelles pratiques du VTT. Alors les activités freeride avec les descentes VTT donc de la Jasserie jusque dans la Barolière par exemple, hein, ici. Et puis aussi le site ici avec le bike park, avec des constructions faites par les adhérents, pour les adhérents. Et on sait que les adhérents viennent de loin, donc il faut les gâter. Parmi les 70 adhérents, un tiers vient de Savoie, région parisienne ou Normandie. Et comme la saison est très courte en montagne, eh bien, nous derrière, on récupère cette activité ici dans notre domaine. L'OMPI veut maintenant passer le grand braquet. Pour mieux se faire connaître, il organise une journée porte ouverte. Pour montrer nos capacités à organiser et puis voir si les gens vont répondre et venir s'intéresser un petit peu à ces nouvelles disciplines. On souhaite surtout aussi à prendre un peu d'importance pour pouvoir porter des dossiers après pour se faire aider, pour financer les déplacements. On va avoir deux teams qui vont tourner, en VTT et en BMX. Le club espère convaincre le Conseil Général, la région et le Parc du Pila de sponsoriser ses pilotes. Au programme samedi à Saint-Paul-en-Jarret, descente en VTT avec navette pour remonter à la Jasserie, bourse au matériel d'occasion et parcours chrono pour s'essayer à toutes les disciplines nouvelles d'un sport vieux comme l'invention de la roue. C'est terminé pour ce soir, mais l'information régionale continue. Très bon week-end à tous.